Bienvenue à toi, mon ami. On va encore retourner en mode totale exploration dans les shmups rétro. Et aujourd'hui, on va essayer un titre qui s'appelle Finalizer et qui date de 1980. 3, 4, 5. 1985, on va dire. C'est la période où on est en plein dans les shmups 8 bits avec des choses qui ne sont pas très très jolies, mais une jouabilité qui se cherche et qui commence à se trouver. Est-ce que ça va être le cas avec ce titre? Le suspense est total. Nous n'y résistons pas. Vite, rushons à l'intérieur de cette merveilleuse ROM du cosmos. Allô la régie, vous me mettez l'image? Merci, ça va beaucoup mieux. Je remontais un peu le son du jeu parce que j'ai vu que sur un des streams précédents, j'avais un poil merdé. Il y avait une musique tout à fait horripilante en fond et j'aurais aimé vraiment que vous la supportiez vous aussi. Que je ne sois pas seul à être victime de cette poignée de patterns se répétant. Donc je vais vous punir en vous montant le son. C'est pas grave si on m'entend moins bien que je suis obligé de crier. Mais j'y tiens. Observons l'animal de plus près dans son milieu naturel. Alors aujourd'hui, Finalizer va nous faire faire de la géographie en même temps que du tir. Et vivi, et vivi, et vivi, vivi. Si on est plus sérieux, on va se dire, tiens, c'est un jeu de Transformers, ça devait être à l'époque un peu à la mode en 85, il y a dû y avoir une vague malgré que Michael Bay soit encore en short à l'université. Et donc, on a un jeu où on récupère des bonus et où on transforme sévèrement. Alors, ce que j'ai pu voir de la démo, c'est qu'il y a beaucoup de bonus. Donc, du coup, c'est ce qui devait faire le charme essentiel et éclater les minots, qui devait chercher à voir ce qu'il y avait au tableau suivant pour avoir des nouveaux bonus encore inédits. Waouh, un boss! Magnifique! Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai cru voir que le gars encaissait des tirs. Ah, je pense que j'ai pas tout compris. Mais de toute façon, si c'est du Konami, c'est forcément joli. Bon, passe-moi ton porte-monnaie. Pièce, pièce, sous, argent. Cuba, Florida. Je vous l'ai dit, on va faire de la géographie en même temps que du chemin. Alors oui, je confirme, j'ai toujours ma voix merveilleuse et raillée du gars qui a toujours son petit coup de froid latent. Vite le pad! Bienvenue sur Terre, mais qu'est-ce que c'est la Terre? La Terre est donc une zone marron, au milieu du bleu. Ah, 2 secondes, je vais juste arrêter ça. Hop, 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 hop. Ouh, quitter la fenêtre de stream pour arrêter un audio et revenir dans le jeu en live, c'est tendu. Je connais ta technique, je connais ta technique, sale jeu! Tu essayes de jouer la saturation, de perturber mon attention. Mais me laisser faire, il ne sera pas possible. Stopod! Alors Stopod, j'en profite, qui sont Stopod. Et voilà. Alors à mon avis, ce jeu avait plein de bonnes idées. Après, c'était purement lié au matos, qui permettait pas vraiment de faire ce qu'on veut. Déjà, on remarque que le fond, bah, mine de rien, même s'il n'est pas super top, il est relativement. Que j'étais mort. Il est relativement varié. J'ai même pas essayé de voir s'il y avait un deuxième tir. C'est la surprise. On va attendre qu'il y ait le super boss pour pouvoir pleurer un peu de sang. Et se dire, tiens, c'est une super bombe, je la veux bien, gars. Hop, un stopper. Mais c'est magique, ça! Bon, sur les sons, il n'est pas super évolué. Mais pour revenir au fond, par exemple, c'est pas mal, quoi. Les gars, ils ont fait autre chose que des petits rectangles qui se ressemblent. Et ça semble, d'ailleurs. Donc, il y a un bel effort qui est fait, quand même. Et, putain. Non, pas le speed! Ouh, crash! Ah non, crash, je peux rentrer dedans. Oui, mais il y a un moment où le crash bonus s'arrête et tu exploses. Ah ouais? Je fais super bien les démonstrations de tout ce qu'il faut pas faire en fait, je crois. Bah, pour l'instant, je suis surpris parce que ce jeu qui a guiché sur une partie un peu facile. Aïe 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 aïe. Ah oui, non, mais toi, tu me collais. Sur une partie un peu facile et commerciale du titre opportuniste qui profite de la mode des robots pour vous faire voir des trucs. Ouais, je veux bien continuer. Des trucs à la con est relativement bien fait en fait.
Oh putain, regardez-moi ça, ils se construisent en temps réel devant moi. Oui, en effet. Tout de suite, un reportage de FR3 Aquitaine. D'où vient la construction des robots en temps réel sur écran depuis 1985? On ne le saura jamais car tu es trop occupé à jouer des conneries, à dire des conneries plutôt que jouer correctement au jeu. Ce qui n'est pas faux. Donne-moi un bonus. Bonus? Stopper, oui, mais il est derrière moi. Je peux pas tirer derrière, madame. Mais oui. Ouh, papa! Ouf, quand on repart à poil, il pique un peu quand même. Alors on va dire quand même, il y a un petit défaut de programmation. C'est une fois que vous vous êtes fait shooter alors que vous étiez relativement bien équipé, ça devient relativement une galère de récupérer des bonus à nouveau pour se rééquiper alors que les autres se font un plaisir de vous tourner autour avec des déplacements qui sont 3 fois supérieurs aux vôtres. Et vous n'avez plus que le sang de vos yeux à pleurer. Ah, je n'avancerai plus jamais, madame, je suis coincé. C'est marrant comment on touche rapidement les défauts des jeux des fois. Putain, j'ai raté le bonus. Mais NTM, quoi. Je veux voir le boss. Je mettrai 10 millions de dollars si nécessaire, mais nous verrons le boss. Oh, bah, ça tombe bien, le blâme. En plus, j'ai un pistolet à bouchon pour vraiment lui faire avaler son bulletin de naissance et expédier ça dans des délais qui frisent. Eh, les amis, je n'ai pas essayé le deuxième bouton. En fait, vous savez pourquoi je n'ai pas essayé le deuxième bouton? À mon grand désespoir, il n'y a pas de deuxième bouton. Voilà le grand secret de ce jeu, Finalizer. C'est que finalement, vous n'avez pas de deuxième bouton. Bon, on va essayer de faire du. On va se la jouer avec Manic Shooter. Hein, je vais passer entre les boulettes. Je vais cancel. On va faire comme si on était dans un shoot cave. On y croit, on est à fond. Regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Petite feinte à gauche, petite feinte à droite. La dribble. Ah non, mais. Je vais te passer, sale boss. Et oui, je suis très tenace à midi du matin. Viens, sale peste cosmique. Que je règle ton compte et que j'éradique. Oh là là. En fait, il y a une légère latence dans les commandes, c'est ça aussi. C'est pas une excuse bidon, en plus pour une fois. Il y a une toute petite latence. Alors, je pense que c'est dû à mon ému. C'est pour ça que j'ai tendance à me déplacer et là où je veux passer entre deux boulettes, je me jette sur une des deux. Donc, les petits slaloms à la cave, à la ESP, c'est pas trop la peine d'y songer. Ah, tu as eu peur. Je comprends. La peur devant ma toute grande puissance. Oh purée, mais ils sont vifs. Hein. Alors, c'est limite jouable quand même. Hein. Mais le jeu, si vous êtes passionné de shoot, vaut le coup de jeter un coup de stick dessus. On va pas aller trop plus loin. Hein. J'ai fait mes 5 minutes légales de toute manière. Oui. Donc, on va pas aller trop plus loin sur ce Finalizer. Qui devait être un super bon jeu à l'époque, bien que apparemment il ait 2-3 passages traits en réserve. Ah, le titre complet, regardez-moi ça. Finalizer Super Transformation. Là, on essaie de vous vendre un truc, je vous laisse deviner quoi. Sur ce, on s'abandonne. Ce titre-là n'est pas validé, mais il ira très très bien dans vos archives de fans de shmup. Et puis vous pourrez vous marrer, le ressortir de temps en temps parce que ça reste à peu près jouable. Presque 40 ans après, quand même. Et on se retrouve pour un prochain stream qui ne parlera pas des arcs-en-ciel. Ciao, ciao. Je chante le générique de fin à la bouche.